suis dit, tiens, pourquoi pas un petit haul, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Pour le premier haul de l'année, je pense. Alors, j'ai ramassé plein de trucs, des soldes, Black Friday. Non, pas Black Friday. Ouh là là, ça c'était l'année dernière. Boxing Day, qui était aussi l'année dernière, mais un peu plus proche. Du coup, je voulais vous les montrer, je les ai accumulés et je me suis dit, ah, pourquoi pas un petit haul, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Si vous vous demandez pour ce make-up, je sais pas s'il est encore en ligne, mais je l'ai déjà filmé, donc ne vous inquiétez pas, si ça vous tente bien sûr. Donc je commence. J'ai acheté ceci chez Winners, Winners some sense. C'est des mini éponges Eco Tools parce que j'aime bien pour mettre mon highlighter et mettre mon concealer, et j'en ai qu'une et elle est bleue en plus, donc ça va faire genre 5 couleurs différentes, mais le problème c'est que je l'utilise jamais parce que oh, ma boucle d'oreille est tombée en live sans décodeur, attendez. Donc je l'utilise jamais parce que j'en ai qu'un. Je sais pas, je l'ai utilisé au début de la semaine et il faut que j'attende jusqu'à la fin de la semaine pour le réutiliser, vous comprenez ce que je veux dire? Je l'ai pas lavé entre. Mais là j'en ai 5 pour toute la semaine du coup. J'ai aussi fait ma première commande chez Suva Beauty à cause de Marion Caméléon. Ce que je cherchais, c'était leur, comment ça s'appelle, Hydra Fix, leur eyeliner fluo. Donc j'ai pris ces fluo là et j'ai pris les autres. J'ai pris tout le monde, attendez. Donc j'ai pris aussi tous les verres, verres d'eau. Je peux pas vous les swatcher tout de suite parce que j'ai un truc. Parce que en fait, il faut mettre un peu de... Ce sont des eyeliners... Ça part en cacahuète cette vidéo. Ce sont des eyeliners durs. Donc il faut mettre un peu de Duraline pour les raviver ou un peu d'eau, quelque chose. Et j'ai pas fait. Mais vous allez les voir en action. Il y a un vert fluo, il y a un jaune fluo... Il y a un orange fluo, il y a un rose fluo, j'ai pris le blanc aussi et j'ai pris un rouge. J'ai pris le rouge ou pas le rouge? J'ai oublié le rouge. J'ai pas pris le rouge? J'ai pas pris le rouge. Mais j'ai pas pris le rouge. C'est pas grave, ce sera pour une autre commande un jour éventuellement. Donc j'attendais vraiment que ce soit soldé parce que bah quand même... c'est une bonne façon de découvrir une marque. Si vous connaissez, que vous aimez déjà cette marque, qu'est-ce que vous me conseillez pour les prochaines éventuellement fois? Il y a aussi des palettes, mais elles sont pas je sais pas, m'ont pas tellement interpellée, donc j'ai pas pris. J'ai pris chez Sephora, c'était soldé et je me suis dit, oh mais c'est trop cool ce petit kit de By Beauty. Je regardais comme ça de loin pendant les fêtes parce qu'ils avaient sorti des mini. Ce sera plus possible, hein, c'est bon que t'aurais. J'ai des problèmes. Donc je disais donc, j'ai pris ce kit de By Beauty qui en fait contient en mini tous les rouges à lèvres astrologiques de l'année 2018 qu'ils ont fait. Donc ça c'est les petits feuillets avec toutes les couleurs. Et à chaque fois ça me tentait, je les prenais jamais parce que un rouge à lèvres... Ah oh, oh, c'est quand même... C'est inacceptable. Donc à chaque fois qu'ils sortaient, c'était en édition limitée. Je voulais juste faire un petit aparté dans le sens où 2019 je ne crois plus aux éditions limitées. Déjà j'y croyais pas beaucoup, mais alors 2019 ça me... J'étais confirmée, ça n'existe pas. Ça revient toujours. Alors ils ont sorti leur édition limitée en mini avec tous les signes astrologiques de... Je vais vous en swatcher quelques-uns. Je vais prendre mon signe si je le trouve. Il commence par... La fin c'est scorpion, pourquoi? Je ne sais pas. Sagittaire, Verseau, Vierge. Moi je vais faire... je vais prendre balance, qui est le signe de Mathieu, qui est un marron. Je vais prendre Capricorne. Ah, mon signe, Verseau. Oh, c'est beau. Alors c'est toujours la même formule, c'est des amuse-bouches.
Et je les aime tous vraiment beaucoup. Et il y en a tout plein. Je vais en prendre un autre au hasard. Capricorne, qui est le signe en ce moment. Oh, ça a l'air trop beau. Il tient comme un violet méga foncé, quasiment noir. Alors bon, comme ils n'ont pas de couleur nulle part, ça va être un peu la surprise. On va les utiliser. Si vous voulez voir quelque chose en particulier de cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir. Donc ça, c'était soldé à moins 50% et il y avait moins 20% en plus, donc j'ai pris. Ensuite, j'ai passé une commande chez Moyou London. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une compagnie qui fait des plaques de nail stamping. Et j'achète toujours mes trucs, c'est anglais. Moi j'ai pas de frais de douane quand je commande de chez eux. J'achète toujours chez eux quand il y a moins 20, 30, 40, 50%. Parce que les frais de port, parce que déjà premièrement c'est cher je trouve, mais c'est de très 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 bonne qualité. Donc ils ont plusieurs, plusieurs collections de plaquettes et de dessins, de design, et j'en ai énormément de leur compagnie que j'ai jamais utilisé encore parce que j'ai pas le temps, mais je les collectionne quand même. Et celle-ci, c'est la Sailor. J'enlève pas le plastique, il faut enlever le plastique pour pouvoir faire du stamping. Dessus, il y a des petits motifs de sirène. Hein, c'est un thème sirène dessus. Donc, vous mettez un vernis à stamping, vous l'étampez avec des étampes comme ça, des. Des tampons. Qui ressemblent. Il y a plusieurs genres et plusieurs finis. Donc, vous. Comme ça, tic. Et là vous mettez sur votre doigt comme ça et puis ça marche, ça transfère le dessin. C'est comme ça qu'on peut tricher si on sait pas dessiner sur les ongles. C'est pas tout à fait mon skill, je m'améliore mais c'est pas ça. Donc j'en ai pris quelques-unes comme j'avais décidé de continuer à faire mon nail art cette année. Je me suis dit oh, des belles plaques, je vais les prendre. J'aime beaucoup beaucoup la collection minimaliste. Il y a juste des petits dessins minimalistes. Tu sais, quand on est nouveau dans le nail art, c'est pas la peine d'avoir des trucs trop étriqués. Surtout moi, j'ai des petits ongles. Donc, des fois, quand c'est des gros paysages ou quelque chose, ça marche jamais. Donc, ça sert à rien. Ensuite, premier produit skincare, c'est dans le haul de l'année. C'est celui-ci. Ça s'appelle Super Berry. On dit comment en anglais? Hydrate and Glow Oil. J'aime énormément. J'ai l'échantillon qui m'a duré déjà très longtemps. Donc j'ai pris le grand. Ça coûte un peu cher. Mais franchement, c'est une huile qui fonctionne du tonnerre. Donc c'est au maquis et acai prickly pear goji. Je sais pas, je ne connais pas tout ça, mais je sais juste que je l'ai eu en échantillon, je l'ai essayé, ça me donnait vraiment de très beaux résultats et je l'aime vraiment beaucoup. Si ça vous tente d'essayer, c'est vraiment pas très très gras, j'en mets 5 gouttes et j'en mets sur mon visage comme ça, en tapotant, et je suis très fan. Ensuite, j'ai pris deux sets de mini pinceaux, pinceaux full size de chez Sephora parce qu'ils étaient soldés, mais pas parce qu'ils étaient soldés. Premièrement, c'est parce qu'il y a aussi le petit truc pour les transporter en voyage, donc c'est un petit étui comme ça, mais aussi parce qu'ils ont des petites paillettes, ils sont transparents à paillettes. Oui, voilà, donc c'était vraiment ça. Et puis lui, il est émeraude. Donc je dis, oh, bah, je peux pas prendre l'un sans prendre l'autre, et puis voilà. Je les aime bien, les pinceaux Sephora en général, j'en avais beaucoup, ils en avaient déjà. Ce même genre de collection, j'ai vu ça, je les utilise déjà. Je les aime bien parce qu'ils sont petits et ils sont fins aussi. Et ils fonctionnent très très bien. J'ai jamais eu de problème avec ces pinceaux-là. Puis je me suis dit, si c'est un petit ajout à la collection, il faudrait que je fasse le ménage de mes pinceaux. Parce que c'est des pinceaux, des fois je les prends, je dis, je te déteste, tu vas me faire juste rater, je le sais. Donc à quoi ça sert de l'énerver, je ne sais pas. Donc si vous voulez voir quelques-uns de ces produits en action, dites-le moi. Ça va me faire vraiment super plaisir de vous montrer tout ceci. Et je vous laisse quelque chose à regarder ici. Je vous laisse mon visage ici. C'était vraiment un haul mini, mais j'avais envie de vous partager. Voilà, c'est tout.
Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!